Aujourd'hui, nous allons voir comment faire des augmentations très peu visibles, que j'aime beaucoup, les augmentations levées. On va augmenter pour la démo sur les mailles situées à l'extérieur des marqueurs. Pour la maille à droite du premier marqueur, je vais faire une augmentation levée droite. La maille à ajouter va être tricotée dans la maille qui se trouve dans le rang précédent. Sous la maille à côté des marqueurs, de ce côté, on va les appeler les mailles repères. Je vais tricoter là-dedans. Dans cette maille-là, elle est sous la maille repère. Je la tricote directement, c'est plus simple, sinon on peut aussi la charger sur la maille. Ensuite, on tricote la maille repère, on passe le marqueur, on va jusqu'à la zone d'augmentation suivante. Alors, pour l'augmentation levée gauche, je tricote d'abord la maille repère. L'augmentation va se faire là, mais je tricote d'abord la maille repère. Voilà, je la tricote. Et maintenant, je relève la maille du rang précédent sous la maille repère. Je m'aide de l'aiguille gauche et je la tricote. J'ai créé une nouvelle maille. Nous sommes maintenant 4 rangs plus haut. J'ai tricoté le rang précédent dans une autre couleur pour vous permettre de mieux voir où piquer l'aiguille droite. Voilà la maille repère. Et on va d'abord tricoter celle qui se trouve dessous. Voilà, là j'ai fait l'augmentation, puis je tricote la maille repère. Ici, on tricote d'abord la maille repère. Ensuite, sous la maille repère, je tricote l'augmentation. La première à droite, c'est l'augmentation levée droite. Sur la gauche, c'est l'augmentation levée gauche. Encore 4 rangs plus haut. On refait la même chose. Je vous montre une dernière fois. La maille repère. Je récupère celle qui est dans le rang précédent. Je fais l'augmentation. Je tricote la maille repère. J'ai une augmentation levée droite. Je tricote d'abord la maille repère, ensuite il faut aller chercher celle qui est dans le rang précédent, je la tricote, j'ai une augmentation levée gauche. Les augmentations sont très peu visibles, il n'y a pas de barre, pas de trou. Si jamais on fait un petit trou, il existe une méthode pour le faire disparaître. Voilà, et c'est très beau, on ne voit rien.